Un de mes meilleurs amis m'a demandé comment j'avais réussi à changer mon comportement en si peu de temps et de façon si radicale. Je vais partager les conseils et les étapes pour y arriver. D'abord, j'essaye de me rappeler tous les matins que les résultats sont toujours proportionnels au travail. Et le travail n'est pas toujours et uniquement vecteur de récompense. Le travail, c'est aussi mettre du sens à sa vie. Le travail, c'est aussi mettre une discipline qui va nous permettre de mettre du sens et de se construire et d'aller chercher vraiment du bonheur à l'intérieur de soi. Moi, je suis passé d'un mindset où j'avais peur de faire des efforts, j'avais peur de travailler dur, à un mindset où j'apprécie faire ces efforts parce que ça me construit, ça nourrit mon identité et ça nourrit la meilleure version de moi-même. Ensuite, puisque notre succès dépend des gens desquels on s'entoure, je traite les gens autour de moi comme j'aimerais qu'ils me traitent. Si tu attends des autres qu'ils t'aident à progresser, qu'ils t'encouragent et te soutiennent, sois le premier à les aider, sois la première personne à qui ils peuvent tendre la main. Ainsi, tu vas créer de l'abondance, ainsi tu vas créer de l'attraction. Et ces gens-là, ils vont te le rendre, naturellement. N'attends rien d'eux, mais si toi, tu leur donnes, c'est sûr qu'ils te le rendront. Enfin, souviens-toi que tu peux être qui tu veux. Tu peux être heureux maintenant, tu peux être enjoué maintenant, tu peux être triste maintenant. Mais tu peux aussi avoir confiance en toi maintenant, tu peux aussi réussir l'impossible maintenant. Vas-y, fais-le, rappelle-toi, et je te jure, tu vas y arriver.